Identification, déidentification entre traces et fiction. Tel est l'ouvrage dirigé par Maria Caterina Manès-Gallo, paru aux presses universitaires de Bordeaux. Cet ouvrage collectif est constitué les actes d'un colloque qui a clôturé un programme de recherche financé par le Conseil régional. Alors, Maria Caterina, est-ce que tu peux nous parler de ce programme de recherche et nous dire un petit peu pourquoi ce thème identification et quelle relation tu vois entre l'identification et la fiction ? Le titre de l'ouvrage est une retombée du projet Accord Sens qui avait comme objectif de prendre en compte la relation paradoxale qui existe entre la volonté et l'intention de diffuser des corpus enregistrés et des corpus surtout audiovisuels et les contraintes qui sont posées par le droit à l'image. Le contraste est lié à la facilité technologique de la mise en ligne, par exemple, du corpus audiovisuel et le fait que toute personne enregistrée peut exercer son droit à s'opposer à l'utilisation de sa propre image. Donc, le paradoxe, c'est que pour pouvoir diffuser un corpus qui a été enregistré dans le cas spécifique dans un milieu difficilement accessible comme le milieu carcéral, on doit en quelque sorte transformer la trace, on doit transformer l'enregistrement d'une réalité afin que les personnes ne soient pas identifiables. Mais en même temps, cette déidentification des personnes enregistrées doit être assez fine pour pouvoir permettre au chercheur qui va analyser le corpus de reconnaître à la fois les mimiques faciales, la prosodie, la gestuelle des personnes enregistrées. Donc on est dans une situation où on doit créer une fiction, c'est-à-dire le résultat d'une manipulation humaine, d'une fabrication humaine, pour pouvoir analyser le corpus audiovisuel enregistré. Est-ce que ça veut dire que la déidentification est la condition même de l'identification ? D'un certain point de vue, oui, parce que ça permet justement, à travers la diffusion du corpus, que des regards disciplinaires différents se penchent sur le même solide empirique, qui est le corpus audiovisuel enregistré, pour essayer d'analyser des aspects différents, donc d'identifier des aspects différents, par exemple des interactions ou bien d'autres aspects de la situation qui a été enregistrée. Donc dans cet ouvrage collectif, la volonté a été d'essayer de recueillir des regards disciplinaires différents sur le processus d'identification et d'identification et ses relations avec la fiction. Alors, dans ta contribution à l'ouvrage, Nathalie, tu expliques que Sherlock Holmes incarne l'idée que toute connaissance est d'abord une reconnaissance. Et de ce point de vue, on a l'impression qu'il participe quand même à l'idéologie dominante positiviste du 19e siècle, selon laquelle il est possible, finalement, d'identifier le monde. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette idée de connaissance qui serait toujours une reconnaissance ? Et en quoi Sherlock Holmes est un positiviste ? Alors tout à fait, donc Sherlock Holmes c'est ce détective positiviste fictionnel de la fin du 19e siècle et effectivement il incarne absolument l'idée que connaître c'est reconnaître. C'est une vieille idée philosophique et l'une de ses maximes c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et que tout reproduit déjà quelque chose qui a eu lieu. Si bien que pour lui, dans cette espèce, effectivement, comme tu le dis, d'idéologie très positiviste, très victorienne, si bien que pour lui, il suffit d'apprendre la totalité du réel pour ne plus jamais être surpris par lui. Autrement dit, comme tout a déjà eu lieu, il lui suffit d'apprendre tous les faits divers, de mettre la réalité dans ses tiroirs, de la mettre en coupe réglée pour ne plus jamais considérer que chaque nouvelle occurrence est aléatoire, mais qu'elle est au contraire la duplication de quelque chose de déjà connu. Alors ça, c'est vrai pour lui pour ce qui concerne les individus. Chaque individu est en quelque sorte le représentant d'un type, donc la notion d'individualité pour lui est absolument effacée.
et à la faveur de quelques éléments qu'il élève au rang d'indice, il est capable de reconnaître chaque individu comme le représentant d'une classe qu'il incarne absolument. Ainsi, par exemple, quelques cheveux sur une manche, une odeur de produit désinfectant pourra lui faire savoir à coup sûr que telle personne appartient, mettons, à la classe des coiffeurs. Donc c'est vrai pour les individus, mais c'est vrai aussi pour les situations. Tout événement est rabattable pour lui ou par lui à une situation typique déjà connue. Si bien que la réalité pour lui ne fait absolument pas mystère, en tout cas c'est le fantasme positiviste qu'il entretient, et que chaque situation devient la reconnaissance d'un modèle, d'un paradigme précédent. Et cela, ça implique finalement pour lui que toutes les situations qu'il rencontre, tous les indices qu'il peut déceler, sont dans un nombre fini. Tous les possibles sont dans un nombre fini. Et d'ailleurs, ça me fait un peu penser aussi au courant anthropométrique qui régnait au XIXe siècle avec des gens comme Bertillon, etc. Tout à fait. C'est l'un des fondements de sa théorie, que la connaissance qu'il peut avoir de la réalité l'emporte sur la pluralité de la réalité elle-même. Autrement dit, effectivement, la réalité est tout à fait comptable. Il n'y a pas d'indéfini de la réalité. Donc il y a une illusion quand même, c'est que Sherlock Holmes prétend découvrir le monde alors qu'en fait il est en train de l'inventer. C'est, à mon avis, et c'est ce que j'ai essayé d'illustrer dans cet article, c'est la tension fondamentale et très intéressante de ce texte-là, à savoir que d'un côté, on a cette espèce d'identifieur en série positiviste pour lequel la réalité ne fait pas mystère, mais d'un autre côté, on a une version beaucoup plus, que certains critiques ont appelée une version minuscule du détective, où on s'aperçoit bien que loin de dupliquer un réel juste, il fait fictionner, en quelque sorte, une réalité qui se trouve beaucoup plus aléatoire, beaucoup plus inédite. Et effectivement, on peut dire que Sherlock Holmes fait davantage œuvre d'inventeur que de simple... il fait davantage œuvre d'inventeur qu'il ne décrit une réalité fiable et unique. Alors le paradoxe, Michel, c'est que en archéologie, celui qui découvre, on l'appelle l'inventeur. Alors que pour le commun des mortels, si en grattant la terre, je trouve quelque chose, je découvre et je n'invente pas. Alors l'archéologue, il est inventeur ou découvreur? Et en quoi la réponse à cette question, d'ailleurs, est claire sur la thématique de cet ouvrage, c'est-à-dire identification, déidentification? Tout à fait. C'est-à-dire que déjà le vocabulaire entre inventeur et découvreur montre bien cette dualité entre trace et fiction. Parce que donc toutes les traces matérielles des activités humaines sont des vestiges archéologiques. Donc que ce soit des matières naturelles collectées par les hommes, que ce soit des matériaux de synthèse fabriqués, le métal, la céramique, le verre par exemple, qui vont servir à faire des objets. Et un objet, déjà, a une double identité. C'est l'identité du moment de la découverte, souvent dégradée, et l'identité de factuelle que pouvait avoir l'objet dans la culture qui l'a fabriqué. Donc là aussi, on a deux façons de voir. Les matériaux, c'est des matériaux qui vont se conserver plus ou moins bien. On a donc des matières minérales, mais on a aussi des matières issues du vivant, et en particulier des restes humains. Des restes humains qui vont renvoyer vers, souvent un squelette, mais d'autres choses, qui vont renvoyer vers l'identité de la personne, l'individu, quel est son sexe, quel est l'âge de son décès, quelle trace de pathologie. La génomique nous apporte beaucoup d'informations maintenant. Donc on voit l'identité d'un individu, mais on va aussi chercher l'identité d'un groupe. À quel groupe appartient-il dans une société? Le groupe de prédateurs, de producteurs, de dominants, de classes laborieuses. Donc on va vers ces réflexions-là. Les matériaux donc ont des conservations différentielles. C'est ce qui veut dire certains sont totalement détruits, ont complètement disparu, d'autres sont détériorés, et à partir de ces vestiges, donc l'archéologue travaille forcément sur le lacunaire. Et pour combler les manques
du lacunaire, on va dire, pour restituer les pièces du puzzle qui manquent, il faut faire appel à la fiction, nécessairement. Et donc ça, c'est le travail de l'archéologue qui va rester dans une démarche qu'il essaye d'être la plus scientifique possible. Mais au-delà de ça, il y a le peintre, le romancier, le cinéaste, le créateur de bande dessinée qui vont exploiter aussi toutes ces données, tous ces vestiges pour restituer ces fascinantes sociétés du passé. Et toi, Alain, alors, pourquoi as-tu choisi de centrer ta contribution sur la relation entre exactitude et vérité en littérature ? La vérité d'un texte ne repose pas forcément sur l'exactitude des faits qu'il est censé raconter. La narration, je dirais même toute narration, est finalement une fiction, quelle qu'elle soit. Les traces sur, à partir desquelles un texte est écrit sont toujours interprétées, maquillées, déidentifiées. Donc, ce qui fonde la littérature, ce n'est pas tant le message qu'elle délivre que l'énigme qu'elle produit, les questions qu'elle met en suspens. Et c'est dans ce clair-obscur, de mon point de vue, que se situe l'essence de la littérature.